Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de piratage de chaîne YouTube. Donc, faites très très attention, par exemple, à ça, parce que j'ai été victime de ça. Donc, si tu regardes cette vidéo, cela signifie que, par exemple, ce sujet t'intéresse. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ma chaîne, je suis là pour te parler de tout ce qui est info, réseau, et aussi t'accompagner pour pouvoir développer, par exemple, ta chaîne YouTube. Je ne suis pas ici pour te montrer des hacks du mensonge que, par exemple, on a l'habitude de voir sur le net, mais je suis ici pour te donner tout ce qui est logique, tout ce qui est concret. Donc, si tu regardes ma vidéo et que tu ne veux pas rater les autres vidéos, voilà, n'oublie pas de t'abonner, comme je le disais au début de la vidéo. Donc, par exemple, faites très attention à tout ce qui est piratage de comptes YouTube, de chaînes YouTube, parce que ça m'est arrivé aussi. Donc, c'est pourquoi je prends le temps de réaliser cette vidéo pour vous expliquer comment cela fonctionne. Et faites très, très, très attention, par exemple, avec ça. Donc, de manière générale, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment très, très, très prudent sur tout ce qui est mail que je reçois, par exemple, dans ma boîte mail. Donc, étape numéro une, le conseil que je peux vous donner, ne cliquez jamais, 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 jamais et jamais dans un mail que vous avez, par exemple, reçu dans votre boîte mail. Et généralement, ça peut provenir, par exemple, d'un sponsor. Quelqu'un qui va venir vous dire, bon, par exemple, je veux que tu parles de mon produit sur ta chaîne YouTube, blablabla, quelque chose comme ça. Et généralement, voilà le montant qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour attirer vraiment beaucoup de personnes, 1000 euros. Généralement, 1000 euros. Et toi, par exemple, en tant qu'un petit youtubeur, même un grand youtubeur, 1000 euros, c'est pas rien. En euros, c'est beaucoup. Même en franc CFA, si je ne me trompe pas, ça fait 650 000. C'est pas rien. Donc, automatiquement, tu seras automatiquement branché. Et là, l'autre méthode qu'ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire dans le mail? Par exemple, ils vont vous dire, par exemple, voilà un logiciel qu'il faut installer, ou bien voilà ce VPN qu'il faut installer. Et voilà, quelque chose comme ça. Donc, toi, tu as vu les 1000 euros, c'est-à-dire tu ne prêtes même plus attention même aux trucs qu'ils sont en train de te dire. Automatiquement, tu es focalisé sur les 1000 euros. Et c'est là que tu vas tuer. Si tu ne fais pas attention, tu risques de tuer ta chaîne. Tuer rapidement ta chaîne. De manière générale, c'est qu'au niveau de YouTube, YouTube, vraiment, je les félicite sur ce côté-là. Côté assistance, c'est-à-dire la partie assistance de YouTube. Et ça, je pense que les gens ont ça lorsque, par exemple, ils ont la monétisation. Vous avez une partie où vous pouvez causer directement avec YouTube. Généralement, de manière générale, YouTube sur cette partie, vraiment, ils ont travaillé beaucoup et ça a vraiment aidé beaucoup de personnes. Donc, c'était juste une petite parenthèse, on va revenir là-dessus. Donc, généralement, ils vont vous dire, toi, d'installer un logiciel ou bien un VPN, ou bien ils vont te dire, toi, tu dois faire par exemple la promotion de ce produit sur ta chaîne. S'il y a un lien que tu vas voir sur le mail qu'ils t'ont envoyé, jamais, jamais tu cliques dessus. Et généralement, le mail, faites très attention, vous allez voir ce type de mail. Ce n'est pas tous les mails. Ce type de mail, vous allez voir qu'ils vont vous demander. À la fin, vous allez avoir CZ. Vérifiez ce type de mail aussi. CZ, tout ce qui est CZ, ne clique jamais dessus. Tout ce qui est lien de sponsoring que tu vas recevoir dans ta boîte mail, ils vont te dire de cliquer sur quelque chose. Ne clique jamais, jamais, jamais là-dessus. Le conseil que je peux te donner, si c'est une boîte qui est certifiée, tu sors de ta boîte mail. Tu comprends? Tu sors de ta boîte mail, tu fais une capture, mais tu mémorises ce que la personne t'a écrit dans la boîte mail et tu vas taper directement sur Google pour aller voir la vérification de la boîte, tout. Et aussi, partez voir le mail de cette entreprise. Regardez dans la partie à propos, regardez par exemple souvent dans la partie qui sommes-nous. Vous allez voir forcément l'entreprise va se décrire et autres. Et vous allez voir par exemple tous ces détails là-bas, vous allez voir tous ces éléments-là automatiquement. Ou bien généralement, ils vont vous dire. Tu peux cliquer sur le mail pour voir, ou bien ils vont vous dire, tu peux cliquer par exemple sur le logiciel automatiquement dans ton mail pour pouvoir télécharger par exemple le VPN mail le logiciel. C'est ce qu'ils vont vous dire. Si tu vois que cette personne insiste un peu là-dessus, ne fais jamais ça. Même s'il n'insistait pas, ne fais jamais ça. Donc, étape numéro une, ça peut passer par exemple par tout ce qui est sponsoring, par les mails que tu reçois dans ta boîte mail et aussi faites très attention avec ça. L'autre élément que je vais aussi vous dire dans la vidéo, dans une autre vidéo que je vais réaliser, je vais vous montrer parce que j'ai eu le temps de discuter avec YouTube parce que moi, ma chaîne est monétisée. Par exemple, pas cette chaîne-là, mais l'autre chaîne, ma première chaîne principale, elle est monétisée. Donc, j'ai eu le temps de parler avec YouTube. Ils m'ont donné tous les accès, quand je parle d'accès, les liens et autres, tout ce que je dois faire sur ma chaîne est suspendu, sur mon compte est piraté. Si je constate aussi que, généralement, dans la description, vous allez voir que dans votre description, faites très attention, vous allez voir que dans votre, par exemple, excusez, dans votre description, vous allez voir que souvent la description est barrée. Si vous remarquez quelque chose comme ça, signalez YouTube automatiquement. Tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai déjà fait la capture. Dans l'autre vidéo que je vais préparer, on va faire cela du début jusqu'à la fin. Donc, YouTube m'a envoyé par exemple tous les liens. Si ton compte YouTube est suspendu, si ton compte a été piraté, comment il faut faire? Si par exemple, vous avez remarqué quelque chose, ce n'est pas vous avez publié cette vidéo sur votre chaîne YouTube et vous allez vous lever un matin,
vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a publié une vidéo sur votre chaîne YouTube, par exemple sur votre chaîne YouTube, pourtant c'est pas vous. Automatiquement votre compte a été piraté. Automatiquement votre compte a été piraté. Ça peut venir de là aussi. La personne a eu accès et automatiquement il publie une vidéo sur votre chaîne YouTube. Moi, comment j'ai su pour moi? Je ne savais pas parce que moi, à chaque fois, YouTube, c'est l'un de mes business en fonction de mes clients, en fonction de ce que je fais. Comme je vous l'ai dit, de manière générale aussi, je suis dans le domaine de la construction et je donne aussi des formations au niveau de tout ce qui est le logiciel d'architecture. Donc, je me réveille toujours à 6 heures, souvent 6 heures, souvent 7 heures pour essayer de disposer les choses, pour parler, pour répondre, pour voir tout ce qui est message parce que je me rends toujours dans ma boîte mail. Ça, c'est la priorité. Donc, j'étais là, j'étais couché par exemple et automatiquement, j'ai vu une vidéo sur cette chaîne. Qui parle de quelque chose acrobate, je vais vous mettre le poste, vous allez voir. J'ai vu la vidéo, bon, je me suis même pas rendu compte que par exemple c'était ma chaîne. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Bêtement, j'ai liké. Donc, je me suis levé le matin maintenant pour me connecter dans la chaîne pour voir qu'est-ce qui a marché, quelle vidéo qui n'a pas marché, quelle miniature, comment faut améliorer. Automatiquement, je vois cette vidéo qui est dans mon compte. Automatiquement, je n'ai même pas paniqué, je savais que quelqu'un avait piraté mon compte. Et moi, je ne clique jamais sur des liens. Et je sais que l'erreur que j'ai eu à réaliser, peut-être, vous allez voir qu'il y a des youtubeurs, c'est pas tout le monde, ne vous abonnez, c'est pas à tout le monde qu'on s'abonne, faites très attention, il y a des youtubeurs qui peuvent vous donner des liens en description. Il y a des gens, vous n'allez jamais voir leurs photos, on ne les voit jamais, vous me donnez souvent, c'est pas tout le monde, je précise, c'est pas tous les youtubeurs, mais faites très attention, ils vont vous mettre des liens que vous allez passer par ces liens pour aller télécharger quoi que ce soit, faites très attention. Souvent, c'est pas forcément dans ta boîte mail, ça peut aussi passer par là. Pour partir pirater automatiquement ton compte. Vous comprenez? Pour partir pirater automatiquement ton compte. Donc, ne cliquez pas sur un lien. Si vous n'êtes pas sûr du youtubeur automatiquement qui est en train de vous parler, il y a des bons youtubeurs. Si vous n'êtes pas sûr de lui, ne cliquez jamais sur un lien. Même si c'est un lien d'affiliation, un lien de quoi, ne cliquez jamais là-dessus. À moins que vous connaissez directement ce youtubeur. Vous avez par exemple l'habitude de le suivre du début jusqu'à la fin. Là, automatiquement, vous pouvez le contacter lui-même d'abord. Même s'il ne répond pas, quel que soit le pays où tu es, tu peux lui envoyer un mandat, quelque chose, un tour de procès. Voilà. Donc, si ce n'est pas ça, si vous ne connaissez pas ce youtubeur, ne cliquez jamais sur un lien. Et généralement, lorsqu'ils piratent des comptes, ils vont parler des trucs de crypto-monnaie. Moi, j'ai eu la chance parce que vous voyez ma chaîne, on parle de tout ce qui est web, tout ce qui est web marketing. Je parle un peu de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, de TikTok et autres. Je donne aussi des conseils. Donc, la personne, par exemple, il ne savait pas quoi faire. Donc, il essaie d'adapter cela, mais c'est des gens qui ne montrent jamais leur visage. Ils vont faire souvent des directs, ils ne vont jamais montrer leur visage. Donc, c'est pas là. Je pense que moi-même, je ne sais pas où j'ai cliqué, mais je pense que si je me suis fait avoir, c'est par un YouTubeur, peut-être quelque chose que je cherchais et que j'ai passé par un lien sur YouTube et la personne a eu accès à mon compte Google ou même quelque chose comme ça. Mais le comble, c'est que mon compte est relié à plusieurs chaînes. Donc, c'est par là que la personne m'a eu. Mais tellement que je suis toujours actif, dès que j'ai vu, j'ai contacté en même temps automatiquement l'assistante Google. On a commencé à causer, ils m'ont demandé s'il y avait une anomalie. J'ai dit oui, j'ai vu une vidéo qui n'est pas de moi. Je n'ai jamais posté ce type de vidéo. Automatiquement, ils m'ont envoyé un formulaire. Ce formulaire, dans la deuxième vidéo que je vais réaliser, je vais vous montrer comment le remplir, bien le faire, bien le paramétrer. Automatiquement, ils vont vous demander le nom de votre chaîne, quand votre chaîne a été créée, l'idée de votre chaîne, l'idée de la vidéo que vous dites que ce n'est pas de vous. Faites la capture de cette vidéo. Tous ces éléments vont vous demander la date à laquelle vous avez, par exemple, créé votre chaîne YouTube. Tout ça, ils vont vous demander et vous allez remplir et vous allez automatiquement les envoyer. Donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà dans le programme partenaire YouTube. Donc généralement, ce type de personnes s'attaquent de manière générale aux gens qui sont déjà dans la monétisation YouTube. Voilà. Donc, si toi, qu'il n'y a pas de la monétisation YouTube qui est difficile pour toi, tu as du mal, par exemple, à céder à ce formulaire, ne t'inquiète pas, dans la deuxième vidéo, je vais réaliser une vidéo là-dessus où je vais t'expliquer. Maintenant, autre astuce, tu peux aller sur Twitter. Voilà, des gens aussi qui m'ont aidé. Sur Twitter, tu vas taper Team YouTube. Tu vas tweeter leur post. Moi, je suis parti, j'ai tweeté le post que mon compte a été piraté, J'ai répété comment c'est pas, mon compte a été piraté. Automatiquement, une personne m'a contacté en privé. Et il m'a dit, automatiquement, vous devez partir sur Team YouTube certifié. Parce qu'il y a beaucoup de faux comptes. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? On a vu que vous avez répété des messages sur un post que on a eu à réaliser sur notre compte, par exemple, Twitter. Et j'ai commencé à leur expliquer. Ils m'ont dit, automatiquement, c'est que le compte a été piraté. Et ils m'ont envoyé un autre formulaire. J'ai rempli. Donc, ils m'ont montré tous les détails. Ne vous inquiétez pas. J'aurai le temps de vous montrer cela tout doucement dans une autre deuxième vidéo. Et vous allez voir. Donc, pour finir avec la vidéo, ne cliquez jamais sur un lien de sponsoring. Si vous n'êtes pas sûr, ne faites jamais, jamais, jamais ça. Ne faites absolument pas ça. Jamais de la vie. Quel que soit, même si vous propose 1 milliard, non. Vous prenez le temps pour aller vérifier le site. Si c'est un site. Vous prenez le temps pour aller vérifier le logiciel. Vous sortez de votre Gmail, vous allez taper là-bas
si Google directement, vous allez voir la partie à propos, comment les liens de contact, tout vous allez voir et vous allez essayer de comparer avec ce que vous voyez. Voilà, si ce n'est pas ça, vous ne cliquez jamais. Et aussi, il y a des youtubeurs, si vous abonnez à des youtubeurs, abonnez-vous à des youtubeurs que c'est-à-dire vous connaissez déjà pendant des années et autres. Moi, au début, je suivais beaucoup de youtubeurs. Par exemple, je vous donne par exemple le nom, le coin des youtubeurs, Nicolas Ricard, William Ngoran, Angora, si je ne me trompe pas. Il y a aussi, quel youtubeur il y a Elliot aussi, vous avez, beaucoup de personnes aussi les suivent aussi parce que c'est des gros youtubeurs qui sont aussi, par exemple, sur YouTube. Il y a aussi Wacketing. Je ne sais pas si son nom c'est Wacketing, mais je pense que c'est Wacketing. Wacketing, c'est un youtubeur qui vit à Los Angeles. Il y a vraiment des youtubeurs quand même, quand ils t'expliquent la chose, tu sens que eux c'est des youtubeurs en fait. On peut les suivre. Voilà, il y a aussi un autre youtubeur que j'ai oublié son nom, Stratégie Vidéo aussi, qui fait aussi des très bonnes vidéos qui expliquent ce type de youtubeurs. Voilà. Mais en dehors de ce type de youtubeurs, lorsque vous voulez vous inscrire, vous abonner à une chaîne YouTube et que vous allez cliquer sur des liens, prenez le temps de vérifier tout ça. Parce que ton erreur aussi peut passer par le lien que lui va laisser en description et automatiquement tu peux te faire pirater ton compte. Donc dans une autre vidéo, on aura le temps de vous montrer toutes les étapes parce que j'ai reçu tous les supports et je vais vous montrer du début jusqu'à la fin. Donc c'était ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!